100% KEM, bienvenue sur Linux de NFR. Et yo les gens, yo les petits raisons, c'est Raison sur aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars, que vous avez la forme, la patate, que tout va bien pour vous. En tout cas pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui les gars, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo sur la frame, en espérant que ça vous plaira. En tout cas moi je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir à vous la commenter. Donc avant tout je vais vous parler du gameplay les gars. Il s'agit d'un 65 Gunstreak, une série de 65 éliminations si vous préférez, réalisée sur Fringe en domination hardcore à la Razorback. Et oui, ce gameplay nous a été réalisé par Nitrolori, donc un gros GG à toi pote. Je vous invite à aller checker sa chaîne qui sera dans la description. Je vous invite aussi à aller checker la mienne si mon commentaire vous plaît, tout simplement. Elle sera aussi dans la description. Enfin voilà, j'arrête de parler. Donc aujourd'hui les gars, je tenais à vous parler tout simplement d'un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. C'était: est-ce que Black Ops 3 est plus facile que les autres Call of Duty? Donc comme vous savez, Black Ops 3 est sorti en novembre, c'est-à-dire il y a à peu près 3, bon on va dire 4 mois en gros, 4 mois. Et il y a déjà beaucoup de grosses performances qui sont sorties sur YouTube, notamment les Quanuke, les Pentanuke, les Nucléaires Fast, enfin tout ce que vous voulez les gars. Et d'ailleurs beaucoup de records mondiaux sont retenus par des SFR, donc ça me fait extrêmement plaisir voilà que la communauté FR réussisse autant bien sur ce code. Mais le truc c'est qu'en fait pour moi ce jeu est un peu trop facile pour la performance tout simplement, et j'ai peur que vis-à-vis de ça ça la rende un peu morte, même si elle l'est déjà un peu. Enfin voilà, donc comme vous le savez, sur Black Ops 2 les gameplays étaient beaucoup plus difficiles à réaliser, que ça soit la quad nuke qui est arrivée très tardivement, ou même les nucléaires express. Bon après je vous passe de Nuketone parce que forcément le nucléaire express sur Nuketone c'était un petit peu la base, mais sinon voilà c'était vraiment pas la même chose, j'ai envie de vous dire. Les armes étaient d'accord plus complètes, c'est sûr que la Scarache, la haine, bon tout le monde se rappelle de ces armes mythiques, j'ai envie de vous dire, limite même un petit peu cheaté sur les bords, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, sur Black Ops 3 si vous avez pas remarqué, tout le monde jouait la Razorback, toujours Razorback, et toujours en domination hardcore. Donc à la force ça commence à devenir un petit peu chiant, même de voir des gameplays tout le temps en hardcore, voilà ça, à la force je pense que ça va nous lasser un petit peu. Et voilà, pour moi ce jeu est un peu trop facile, donc je sais pas si Activision l'ont fait exprès ou je sais pas, franchement je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais je pense qu'en fait ils l'ont fait exprès pour un peu se racheter de Ghost et Advanced qui ont été un petit peu des flops, voire même des gros flops j'ai envie de vous dire. Et voilà, ils ont eu envie de se racheter en mettant vraiment des spawns fixes, des bons score streaks et tout, enfin voilà, pour pouvoir faire des massacres. En même temps c'est ce que la communauté attendait, mais voilà, peut-être pas à ce point là non plus, parce que c'est quand même assez abusé j'ai envie de vous dire. Donc dites moi en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ce que je viens de vous dire, tout simplement, si vous pensez la même chose que moi, ou si au contraire vous trouvez que Black Ops 3 est plus difficile que les autres codes. Chacun son avis les gars, je le respecterai, mais surtout n'hésitez pas tout simplement à me dire ce que vous pensez, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo malheureusement, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. C'est le cas, je vous invite à liker cette petite vidéo pour me faire plaisir, à me dire en commentaire ce que je viens de vous dire, tout simplement. Vous avez vu la petite rime, c'était BG hein. Et puis surtout à partager la vidéo pour nous faire grandir tout simplement, et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube si c'est pas encore fait, parce qu'on vous promet qu'on va vous envoyer du lourd, c'est sûr. Donc surtout les gars, abonnez-vous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Ray, prenez soin de vous, peace les gens. I know where we can go. I know